Et salut à tous, c'est Unsook, et on se retrouve, pas pour FF12 pour une fois, parce que bon, j'avoue que FF12 est très 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 long, et j'avais envie de faire une petite coupure et de faire un autre jeu entre deux. Donc, récemment, je suis tombé sur ce jeu, The Messenger, sorti en 2018, fait par un studio québécois nommé Sabotage Studio, et c'est un jeu que j'ai absolument adoré, voilà, tout simplement, et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, histoire de faire un peu une coupure avec les autres. Alors par contre, je vais cacher mes sauvegardes, parce que mes sauvegardes vont vous spoiler, donc voilà, je vais effacer celle-là. Hop. Voilà. Alors oui, donc vous voyez que j'ai déjà fini le jeu, hein, parce que j'ai une nouvelle partie de plus qui est activée. Voilà, mais je vais vous cacher ma sauvegarde du haut, parce que elle spoil vraiment. Et donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, le nom, bah, on va mettre le pseudo. Hein. Voilà, donc c'est un jeu rétro. On est vraiment dans une ambiance 8 bits à l'ancienne, même au niveau de la musique et tout. Avec une petite inspiration de Ninja Gaiden, mais évidemment. Hein. Un jour de plus au village, et toujours aucun signe du héros de l'Ouest. Il n'existe pas, c'est un conte pour enfants. Comme toutes les prophéties qu'il nous oblige à apprendre. Je veux de l'action, moi, de l'entraînement. J'en peux plus de leurs histoires d'armées démoniaques et de parchemins magiques. Ça fait des siècles qu'il ne s'est rien passé. Alors pourquoi on reste caché ici? Le village, je le connais par cœur. C'est le monde que je veux explorer. Voilà, donc on incarne un jeune ninja qui a soif d'aventure. Et qui est un peu le mauvais élève, on va dire. Tout le monde en rend pour la leçon d'histoire. Et voilà, encore une leçon. Ok, donc là on va pouvoir comprendre notre perso. Bon, j'arrive. Je peux pas sécher à chaque fois, le mauvais élève, quoi. Donc voilà, donc c'est un jeu action platformer un peu inspiré de Ninja Gaiden, voilà. Mais ça a quelques différences, mais bon, le gameplay, on va reparler un peu plus tard. Hop, voilà, on peut s'entraîner ici. Hop, hop. Et là, on va apprendre la mécanique la plus importante du jeu. Juste à temps pour le cours du jour. Montre-nous ta technique du saut de nuage, attaque et saute. Donc en gros, on peut attaquer et sauter directement comme ça. Et on peut le faire plusieurs fois, voilà. On peut le faire autant qu'on veut. Et ça va être vraiment la mécanique de base de tout le jeu, vous allez voir. Et on peut le faire comme ça, hop. Hop. Et c'est super fun à faire. Voilà, c'est super fun à faire. Mais vraiment, ça va être le truc du jeu entier. Eh bien, regardez qui daigne à nous faire honneur hors de sa présence. Rien à dire. As-tu au moins lu le manuscrit cette fois? Toujours aussi rebelle. À quoi ça sert? De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est rester caché. Tu as tort de négliger les enseignements de nos ancêtres. Crois-moi, la menace de l'armée démoniaque est bien réelle. Et si elle Ah bah tiens, comme par hasard. Les démons sont de retour! C'est impossible! Le héros de l'Ouest devait nous sauver! Attention! Hop là! Et donc, on peut y aller. On peut leur parler aussi si vous voulez, hein, mais bon, c'est pas important. Ne pars pas! Tu n'es pas prêt! Rasez-moi ce repère d'humains! Il est temps de les soumettre définitivement! Pas si vite, mon gros! Voilà! Qui ose s'adresser ainsi à moi? Ils espèrent que ce vermisseau va les sauver? C'est pitoyable! Prépare-toi à mourir! Ah! Ce cri! Impossible! Alors voilà notre héros de l'Ouest, mais on n'est pas ce héros. Nous ne sommes pas ce héros. Ah putain, Malware fait chier. Voilà. La chance est avec toi aujourd'hui. Bar Matazel! Oui, mon roi. Je te charge de nous débarrasser de ce vermisseau. À vos ordres, mon roi.
ne perds rien pour attendre, ninja. Mes sujets ne feront qu'une bouchée de toi dans les collines automnales. Voilà, donc on sait déjà quel va être le premier niveau du jeu, hein. Alors c'est vous, le héros de l'Ouest? Oui. Encore, je ne suis pas sûr de mériter ce nom. J'arrive trop tard. Comme tu t'es distingué aujourd'hui, je vais te confier une tâche de la plus haute importance. Prends ce parchemin et mets-toi en route. Tu dois la porter jusqu'au sommet du pic glacial où t'attendent trois sages. Mais qui êtes-vous vraiment? Et qu'est-ce qu'il a de si important, ce parchemin? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. Hâte-toi jusqu'à la porte du village. L'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir vivant des collines automnales. Bonne chance, messager. Voilà, donc nous sommes le messager, le messenger. Vous avez reçu le parchemin, grosse référence à Zelda au passage. Vous avez été choisi comme messager. Votre mission est de porter ce parchemin à travers ce monde maudit. Bon alors, le scénario est très classique. Par contre, vous allez voir que les dialogues, c'est collector. Surtout quand on arrivera à un certain endroit. Et voilà, c'est ainsi que commence notre aventure. Avec notre personnage qui avait soif d'action, c'est parti. Bon, je vais vous laisser profiter parce que la musique est vraiment bonne. Voilà. Bon, je vais pas vous laisser toute la musique parce que faut qu'on avance, mine de rien, c'est un jeu assez rapide. Donc voilà, c'est un jeu vraiment d'action plateforme en 2D. Vraiment classique, un peu inspiré de Ninja Gaiden. Bon, en gros, voilà, notre personnage, pour l'instant, on a que... Merde. Bon. Pour l'instant, notre personnage, il peut que attaquer et sauter comme ça. Et la mécanique, évidemment, du saut de nuage, comme ils le disent. Qui permet, en gros, de... se faire un double saut. Et donc là, on va rentrer ici. Et meilleur personnage du jeu. Ah, le messager. Je ne t'attendrai pas aussitôt. Je suis où là? Dans la boutique. Ça ressemble pas à une boutique. Et moi, je ressemble à un boutiquier. Je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de ta quête pour sauver le monde. Tu as une tâche à accomplir. Et une seule. Apporter ce parchemin au sommet d'une montagne lointaine, trois sages appartenant au même ordre que moi t'y attendent. Quel ordre? Trop d'infos à la fois, là. Et trop de texte pour une seule boîte de dialogue. Voilà, voilà, ça commence. Ce jeu a un humour... on va dire tout simplement que le quatrième mur dans ce jeu, il n'existe pas. Hein. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas ce genre d'humour, moi j'adore, personnellement. Dirige-toi vers l'est et ramasse tous les éclats temporels que tu trouveras en chemin. Sans eux, je ne pourrais pas améliorer tes capacités et tes accessoires. Pour un débutant, le premier est gratuit. Vous avez reçu les griffes de grimpeur. Appuyez-vous contre les murs lorsque vous êtes en l'air pour vous y accrocher. Besoin de quelque chose? Alors, donc lui, il va nous permettre d'améliorer nos armes, enfin nos compétences. Et déjà, la première compétence qu'on va apprendre, c'est celle-là. La frappe du ninja. Parce que ça va nous permettre de frapper les projectiles ennemis et aussi de rebondir sur eux comme on le fait avec les lanternes. Donc un must, clairement. Et on peut discuter avec lui. Alors, vraiment, si vous faites celui pour la première fois, je vous conseille de voir tous ces dialogues. Ces dialogues sont collector à ce mec. Des griffes de grimpeur? Ah oui, appuie-toi contre un mur et tu pourras à t'y agripper et grimper. D'accord, je me dis bien que ça me manquait. Oui, c'est pourquoi John Gaiden les a inventés il y a plusieurs décennies. La référence, Ninja Gaiden, évidemment. Qui est ce John Gaiden? Peu importe, je devais mentionner son nom, c'est chose faite. Je ne comprends pas. D'autres comprendront, comme les joueurs, par exemple. J'aimerais quand même savoir où je suis.
je vois que tu es curieux. Le moment venu, tu comprendras que la question n'est pas où, mais quand. Oh, le foreshadowing. C'est tout. Bon, je sais que tu débutes, mais espérais-tu vraiment obtenir des informations claires et précises si tôt dans ton aventure? Es-tu sûr de vouloir rester là à m'écouter alors que l'action te tend les bras dehors? Achète donc une amélioration de santé, par exemple, et reprends ta route. Les jeunes de nos jours. Ah oui. Ah oui, les histoires. Ouais, on va se les... Non, mais je vais lire tous les dialogues de ce mec, parce que ces dialogues sont géniaux. Une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois un domestique qui ne savait pas lire. Un jour, son maître lui demanda de lui lire quelque chose. Et lui répondit, « Mes excuses, monsieur, mais je ne sais pas lire. » Cet aveu lui valut d'être licencié. Il se mit alors en quête d'une maison de thé pour s'y reposer et se lamenter sur son infortune. N'en trouvant aucune, il se dit qu'il n'était probablement pas le seul à souhaiter qu'il y ait une maison de thé dans sa petite ville, et décida d'en ouvrir une. Le succès fut immédiat. Il en ouvrit d'autres un peu partout et fit ainsi fortune. Un jour, son comptable lui demanda de jeter un œil à un document, ce à quoi il ne répondit qu'il ne savait pas lire. Son comptable, qui n'en revenait pas, déclara « Si vous êtes devenu millionnaire en étant analphabète, imaginez où vous seriez si vous saviez lire !»« Je sais exactement où je serais, » répondit l'homme riche. « Je serais un domestique. » Fin. Qu'y a-t-il? Je vois pas le rapport avec mon aventure. Il n'y en a aucun. Tu m'as simplement demandé une histoire, et c'est pas faux. On aurait plutôt dit une version longue de « Si la vie te donne mille raisons de pleurer. » N'importe quoi. Eh bien, puisque tu n'apprécies pas cette histoire grâce à laquelle tu pourrais briller en société, je te suggère d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc, c'est clairement le personnage comique du jeu. Alors, il y a aussi un truc comique si on essaye d'ouvrir l'armoire plusieurs fois, mais je vais pas le faire parce que ça va être très long. Parce qu'en fait, voilà, il nous demande « Merci de ne pas toucher à l'armoire. » Et si on continue, en fait, je t'ai dit « Laisse cette armoire tranquille. » Et en fait, si on continue, au bout d'un moment, il va te raconter une histoire super longue que tu peux même pas passer. Donc, on va pas le faire. C'est très drôle à faire et il y a un succès à faire, d'ailleurs, en le faisant. Mais, voilà. Et donc, on a les griffes de grimpeurs qui nous permettent de faire des wall jumps à la Megaman, tout simplement. Hop. Hop là. Voilà, maintenant on peut casser les projectiles, donc on n'a plus rien à craindre de ces boules de feu. Oups. Je suis un peu planté là. Voilà, comme ça. Bon, même si là je me suis un peu planté, mais c'est pas grave. Ah, pas sauter assez haut. Ça commence. Hop, là c'est de la vie. Et on avance. J'adore la musique de ce truc. Je crois qu'en plus elle a été faite par un groupe de métal québécois, parce que c'est des développeurs québécois à la base. Bah je crois que le compositeur était mis dans l'écran titre. Hop. Voilà, donc c'est vraiment un jeu rapide hein. Bon là j'avance vraiment rapidement parce que je connais déjà le jeu hein, j'ai déjà fini. Hop là, merde, c'était un peu trop tôt. Et ouais. Et un passage. Alors, j'adore l'effet distorsion dans l'eau de la musique. Et vraiment, l'OST de ce jeu, elle est excellente. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Hop, donc là, on va aller là. Hop, on récupère un peu de vie. Ah oui, pour l'instant, c'est facile. Hein. Ça va se complexifier par la suite, évidemment. Hein. Comme tout bon jeu de plateforme. Hop, 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 allez, avant que la roue revienne. Là, ça va être trop juste. Voilà. Allez. Parce qu'en plus, tout ce qui est pique et roue comme ça, ça ne tue pas en un coup, mais ça nous fait quand même 3 points de dégâts et on a que 5 points de vie pour l'instant. Non, mais j'adore cette musique, vraiment. Alors, ce qui est bien en plus, c'est contrairement à un Castlevania ou un Ninja Gaiden, bah les. Les lanternes restent là pour qu'on puisse continuer à s'en servir. Je vous dis vraiment, le saut nuage, c'est la base du gameplay. Si vous maîtrisez pas ça, vous n'irez pas loin. Comment je l'ai esquivé.
Hop là, faire un peu les éclats temporels. Mon but c'est pas non plus speedrun le jeu. Connard! Ah, mon but c'est pas non plus speedrun le jeu, hein. Voilà, et on peut retourner à chaque fois pour aller augmenter. Et je crois qu'il a des. Je sais plus s'il a des nouveaux dialogues à chaque. Besoin de quelque chose. Non, il n'y a pas de nouveaux dialogues. Je crois qu'il a plus les nouveaux dialogues après. Alors, on va aussi mettre ça parce que ça nous évite d'avoir le knockback. Donc, ça, on va l'apprendre. Clairement. Voilà. Et je crois qu'après, on se concentrera sur cette partie-là. Parce qu'en gros, voilà. Maintenant, quand on va se faire toucher, on pourra utiliser le saut pour. Alors là, vous dites c'est quoi ces bestioles, vous comprendrez plus tard. Rassurez-vous, tout sera expliqué. Bon, là c'est vrai qu'il y a ce connard qui gêne. Mais on peut l'ignorer. Voilà. Ah, je pensais que j'attendrais la boule. Non. Hop. Merde, connard. Mais c'est vrai qu'il y en a deux là. Ah mais par contre leurs projectiles à eux ils vont non. Tant que vous allez dans la direction ils reviennent. Dommage je l'ai loupé celui-là, ça aurait pu faire un double saut. Hop là. Voilà mais vraiment quand on a une grosse maîtrise on peut vraiment faire des trucs de fou dans ce jeu avec avec le tsu nuage. Hop merde, quel con. Ça va aller réussir à me rattraper. Alors, bon, il y a un succès aussi pour ne pas mourir avant un certain point du jeu. Je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir, je vous l'avoue, hein, parce que bon, je suis pas non plus un PGM dans les jeux de plateforme, même si j'aime bien. Hop là. Voilà. Mais vraiment, pour moi, c'est la force de ce jeu, c'est super fluide à contrôler, c'est vraiment agréable à contrôler. Tu vois, contrairement à Ninja Gaiden, en plus, on s'arrête pas en plein milieu pour donner des coups d'épée. On peut vraiment donner des coups d'épée à la suite comme ça. Et c'est juste super fun à contrôler. Et vous allez voir qu'on va avoir de plus en plus d'options de mouvement. Et vraiment, le jeu est... Ah, je sais plus s'il y a un truc, là. Je crois qu'il y a un secret, là. Ah, c'est pour ça que c'est une petite séquence de plateforme comme ça. Hop. Ouais, voilà, là, il y a notre premier secret. Alors je sais pas si j'irai tous les chercher, parce qu'il y en a qui sont assez durs à obtenir. Non, mon but c'est pas le 100%, hein. Mon but c'est vraiment montrer ce jeu, parce que ce jeu mérite d'être connu, hein. Il est vraiment excellent ce jeu. Eh bien, tu es du genre à sortir des sentiers battus, on dirait. C'était quoi ce gros machin vert? Tu veux parler de ce que tu viens de casser, au lieu de le récupérer? Il s'agit d'un sceau de pouvoir. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ignore à quoi ils servent. Je sais que les trouver est facultatif, mais si tu apprécies le frisson d'un défi supplémentaire, pardon, je te conseille d'ouvrir l'œil pour trouver les salles secrètes. Tu parviendras peut-être ainsi à débloquer une amélioration surpuissante, ou pas. En attendant, si on me cherche, je serai dans ma boutique. Enfin, le boutiquier, meilleur perso du jeu, hein, je vous redis, hein, mais vraiment... Enfin, après, il faut aimer l'humour méta. Si vous n'êtes pas trop humour méta, en effet, il peut être lourd. Mais personnellement, je kiffe. Hein. J'ai rien contre ça. Hop. Hop là, voilà, c'est mis la fosse baissée. Alors, hop, on avance. Ah mais vraiment ils arrivent toujours les premiers niveaux dans les jeux de plateforme ont toujours des bonnes musiques. C'est un grand classique. Hop là. On va récupérer ça et on va aller parler à notre ami. Qu'avez-vous de plus à nous dire monsieur? Besoin de quelque chose? Discuter. Le boss du niveau. Tu as presque atteint la frontière de cette région. D'ailleurs, j'ai peut-être omis de mentionner qu'un gigantesque monstre feuillu garde la sortie. En effet, vous l'avez omis. Si tu voyais ta tête,
Mais ne t'inquiète pas, cher aventurier. Les monstres feuillus ne sortent qu'à la pleine lune. Quoi, c'est la pleine lune? Oui. Ah, voilà qui est... Eh bien, bonne chance alors. Quel poulet. Alors, oui, on a aussi le shuriken. Alors, on va mettre le shuriken, en fait, pour l'instant. Parce que avoir le shuriken, ça aide. Même si pour l'instant, on peut en tirer que 3. Allez, c'est parti. Donc, premier boss. Hop, là, c'est vrai, j'ai oublié Fisa. Hop, ils vont revenir. Alors, les boss n'ont pas de PV. Mais quand ils clignotent comme ça, ça veut dire que... Voilà, c'est leur clignotement qui nous indique qu'ils sont presque morts ou pas. Bon voilà, premier boss, rien de compliqué, hein, vraiment, il a un pattern très simple. Voilà, vraiment, c'est le premier boss, hein, c'est pas du tout compliqué évidemment. Voilà, et sur ce, eh ben, on a fini le premier niveau, et je vous propose qu'on va s'arrêter là, pour cet épisode, parce que c'était là pas mal, donc je vais retourner là pour sauvegarder, et je vous dis à la prochaine, allez, salut, salut!